Hello, children. Today we are going to have an English lesson. So we will start. We will do a revision of uh, interrogative form. Interrogative form. Interrogative form. Interrogative form là, c'est quoi? C'est lorsqu'on va poser des questions. Donc, we will ask questions. Questions. You need to know how to read this interrogative form. Et on n'oublie pas que lorsqu'on pose des questions, on n'oublie pas qu'on a besoin de mettre le point d'interrogation à la fin et le point d'interrogation en anglais on dit question mark. Très bien. Avant de commencer le interrogative form, je vais voir un coup une petite révision du verbe to do au present tense. Parce qu'aujourd'hui le interrogative form qu'on va faire sera seulement au present tense. Alors, le verbe to do au present tense, on dit I do. Verb to do, ça veut dire le verbe faire. Le verbe faire je fais, on dit I do. Tu fais you do. Il fait he does. Elle fait she does. Si c'est un chien, un chat, on dit it does. We do. We do, cest à nous faisons. Vous faites, on va redire you do. Ils font, ou bien elles font, on va dire they do. Aujourd'hui, on va voir, on va se concentrer sur ça. I do, you do, we do, you do, they do. Pour faire le interrogative form. D'habitude, la question pour le interrogative for, pour les examens, on va te dire, on va te dire right. Il faut savoir bien dire la question. Right in the interrogative form. Toi, dès que tu vois ça, pour les examens, pour un devoir, quand tu vois ce mot interrogative-là, tu mets un question mark là en haut. Comme ça, tu ne vas pas oublier de mettre son point d'interrogation. Je vais te donner des exemples. Exemple. Premier exemple. You clean the. Core. Tu nettoies la voiture. On dit You clean the car. J'ai besoin de faire une question avec ça. Je vais dire Do you clean the car? Allô. Qu'est-ce que j'ai fait là? Devant la phrase, j'ai mis d'où D'accord À la fin de la phrase, je mets le question mark. Et je dois faire bien attention ici. C'est un grand Y. Ici, je dois mettre un petit Y. Pourquoi Parce que ce n'est plus devant. Ici, c'est devant. C'est le premier mot. Ici, ce n'est plus le premier mot. Donc, je ne dois pas oublier de changer, de mettre un petit Y ici. You clean the car va devenir do you clean the car? Le verbe clean est déjà ici au présent. Ici aussi, c'est à l'infinitif. C'est important. Il faut mettre le verbe à l'infinitif. Ça veut dire on ne conjugue pas le verbe. Do you clean the car? Ça veut dire est-ce que tu nettoies la voiture? Je donne un deuxième exemple. Oui eat apples we eat apples nous mangeons des pommes si je fais une question je mets do devant je mets do devant cette phrase là do we eat apples question mark Do we eat apples? Est-ce que nous mangeons des pommes? Très bien, alors ici aussi je remarque que j'ai mis do devant la phrase. Ici il y avait un grand W. Ici c'est un small w. Et à la fin je n'oublie pas mon question mark. Un autre exemple. Allons dire maintenant qu'il y a deux personnes. Par exemple, Ethan and Katia watch télévision Ethan and Katia watch télévision Ethan and Katia regard la télévision alors, toujours pareil, il y a Ethan et Katia, ce sont deux personnes. Donc, quand il y a deux personnes, je vais écrire doux. Quand il y a deux ou plus de personnes, je vais écrire doux devant. Doux parce que c'est au pluriel. C'est pareil comme Vela. Donc, j'écris doux devant. Doux, Ethan, N, Katia, Watch. Télévision. Question mark. Ici aussi, je remarque que devant la phrase, j'ai mis doux. Mais ici, je vais voir que Ethan, ça commence avec un E majuscule. Je ne vais pas mettre un petit E parce que Ethan, c'est le nom d'un garçon, d'une personne. C'est un nom propre. Katia aussi, c'est un nom propre. Watch television. Et je n'oublie pas de mettre le Question mark à la fin. Très bien. Maintenant, je vais vous envoyer un petit devoir. Vous allez travailler et m'envoyer sur WhatsApp. Et avant, récapitulé un petit coup pour vous. Donc, le interrogative form, ce sont des questions. On va faire des questions et on va mettre le question mark, question mark, le point d'interrogation. Quand on vous dit write in the interrogative form on va faire une question you clean the car do you clean the car we eat apples do we eat apples etan and katia watch television do etan and katia watch television très bien les enfants Allez, je vous envoie le devoir, vous m'envoyez pas WhatsApp. Bye bye.